On a eu des nouvelles en provenance de Renault de la part de, donc, de Monsieur Le Youdec et Monsieur O'Leary qui ne stipulaient plus tout à fait les mêmes volumes de commandes, qui brutalement venaient de chuter. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, en termes d'activité et les nécessités de volume que nous, sont impératifs pour nous, donc en l'occurrence, je vous rappelle, c'est 17-18 000 pièces semaine pour que l'on tienne en termes de trésorerie. Aujourd'hui, tout cela s'effondre comme un château de cartes, puisqu'aujourd'hui, en gros, les nécessités de Renault, plus la culasse EP6 Peugeot, vous n'avez plus vos emplois. Pour état d'un besoin de pièces, de 10 000 pièces, à peu près, 10 500 pièces. De savoir si cette heure-là, et bien évidemment, que ça remet en cause. Il s'est passé un certain nombre de choses. La poursuite du redressement judiciaire, dans la mesure où l'état de trésorerie qui sera annoncé et qui sera présenté à l'audience du 30 novembre à Nanterre, ben, évidemment, risque de nous conduire tout droit sur l'information qui est non payée. Ben, messieurs, tenez vos engagements. Une information du on a des écrits, on a des communiqués. C'est passé dans la presse nationale, c'est passé au journal officiel, etc. Donc, messieurs, c'est des écrits maintenant qui font foi et sur lesquels vous êtes engagés. Et vous allez devoir tenir vos engagements. Renault va bouger dans le monde. Il a plus bref délai et qui s'est lui-même présenté à l'ensemble. Il est impératif. Donc maintenant, vous savez tout ce qui est en fonction de nos moyens et de nos pouvoirs et des différents leviers qui ont été activés. Et les ministères, nous, on mettront nos responsabilités en disant maintenant on repart au travail, duré dans le temps, repartir. Le plan compétitivité était tombé par terre, on n'en parlait plus. C'était la condition de repartir. On a su le faire, on a su remettre l'outil de travail en fonctionnement. Aujourd'hui, les résultats en attestent, la trésorerie en atteste. Ben, messieurs, les pouvoirs publics, messieurs les politiques, messieurs chez Renault, monsieur Carlos Ghosn, et ben maintenant, prenez vos engagements à vous et surtout, tenez-les. Oui.